Bonjour Jean-Michel. Comment que allez-vous? Salut Tony, comment vas-tu? Il est dans sur un truc de rallye. Hein? Oh non, rien. Amuse. Dans ma tête. Dans ta tête? J'en étais pas sûr, mais si tu le confirmes, c'est bien. Confirme. Ah, j'ai un truc dans mon coffre. Moi je vais sortir un magnum, je vais commencer à les vendre ma mère. Respect, mon général. Mais respect. Sur la carte, la liste des joueurs, on peut mute les gens maintenant. Attends, j'ai regardé un truc. Ah bon? T'es où? Vas-y, continue. Parlons, continue, Jack, s'il te plaît. Ouais, y a pas de souci. Comment tu vas? Ça va? Non, ça marche pas. D'accord. Tant mieux. Sors quelque chose Jean-Pierre ou je peux sortir un magnum? Là, je vais sortir ma citerne histoire d'avoir un peu de son là-haut. Alors attends, j'ai déjà sorti le magnum. De régler mes fréquences radio, donc je vous mets un petit voilà que vous voyez pas.
Test. J'essaie de mettre la radio du jeu, mais... Là, on est le premier aujourd'hui. Ouais, bah justement. Ah oui, je sais. Moins 3. Pourquoi ? Moins 3. On est le mois prochain. Enfin, c'est le mois prochain, décembre. Oh là là. Pas doué en maths, hein. T'entends qu'ils ont changé le bruit des pas là ? Bon, j'ai pas entendu. Respect. Respect. Topo. J'ai pas respect entendu. En général. Test, respect. Non mais, parce qu'il est derrière. Topo. Désolé si je t'ai oublié. Je t'avais pas vu. Ouais. Voisin. Mais respect, Jack. Respect, Jean. Propos. Pas de problème, hein, t'inquiète. Oh, ils font des pas. Oh, wow. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre, être comme un fou. Wow, t'es fou toi. Pardon. Test. Test. Reçu. Chez eux, c'est Fikit qui est. Il y a son. Enfin, il y a lui qui est en. Dans ma bagnole, sauf qu'il est plus là. Bah, ramène-le jusqu'à Vegas. Oui. Et du coup, Vincenzo, il revient. Non, point 3. T'étais peut-être pas là quand je l'ai dit par message. Vas-y, fais un test. Test. Reçu. Reçu.
RSP, repos, et bah tiens, orange. Orange le véhicule. Ouais, est-ce que une fois il y avait un ami à moi, il a eu un problème de cerveau dans son véhicule et puis il y a eu un double de lui qui a conduit la voiture jusqu'à Sofia. Et du coup, bah, ce même ami, quand il est revenu, il a pu tuer son double et il a récupéré gratuitement une SIG et un RPG. Mon ami, son double, il a conduit sa voiture, s'il te plaît, de Molos jusqu'à Sofia, où Sofia il s'est bloqué et il a bloqué la voiture entre deux murs. Oh. Je vais partir vendre. Je vais venir avec toi, Jack. Ok, je t'attends. Et plus vite on peut vendre à deux hein. Bah ouais si tu veux. Ouais, ça va plus vite si.
Salut, salut. Les pseudos en vert clair, j'arrive pas à les lire. Ouais, oui, bah oui. Par contre, aujourd'hui, je vais ouvrir le portail, hein, sinon on va être blessé. Merci. Attends, bouge pas. Hein. Par 6, c'est quoi le problème? Ah, moi je prends soit par 14, soit par 11. Ah bah ça, plus de place, ça m'étonne pas. Pourtant, on aurait pu penser qu'avec la mise à jour, tous ceux qui étaient pas déconnectés avant 20h, n'auraient pas pu. C'est bizarre. Tant mieux. De quoi, Jean-Pierre? Je vends partie, c'est de mieux en mieux. Un plein. Pas vu quoi. Reste un. Allez, je vais en recharger un autre.
de la thune. T'as dit quoi? Ouais, je rigolais. Là, j'ai pas encore fait l'état des stocks. Je suis en train de vendre toute la cacaille. Il faut que je voie ce qui appartient à monsieur Rodriguez pour pouvoir lui rendre. Et donc, j'ai pas encore fait le bilan. D'accord, bah, vous pouvez me le dire dans la soirée si possible. Oui, dès que j'aurai vendu tout ce qu'il faut que je vende. D'accord. Vous avez besoin d'aide? Non, ça va aller. Attends, j'avance un peu plus le camion. Jack? Oui. Il est avec toi, Jean-Pierre? Je suis là, oui. T'as fait un docteur lobby? Oui. Ok. Ah, j'étais en train de venir pour te fumer parce que je te voyais plus dans le gang, mais je voyais ton hexagone, je croyais que c'était un bot. Du coup, comme j'aime pas me déplacer pour rien, je vais te fumer. Prends ton poisson. Bah, te mets pas derrière moi, toi. Ah oh bah écoute, moyen de protection. Ta balle. Allez, j'ai tué un belge matin, je peux bien tuer deux. Comment t'as été remboursé pour l'entretien? J'ai été remboursé là, c'est pour ça que j'ai fait un docteur lobby. D'accord, alors du coup, bah... Est-ce que je pose mes coffres maintenant ou j'attends? Non, 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 tu l'as racheté l'entrepôt là? L'entrepôt il est racheté, ouais. Ok, bah ce que tu fais c'est que tu... Il y a un coffre déjà. Attends, calou. J'ai mis une bouteille d'eau dedans. Donc t'as acheté un coffre? Un coffre seulement. Bah attends deux tempêtes. Deux tempêtes. Voilà donc... Celle de 2h et celle de 14h demain. Ah celle de... Ouais, celle de... Non, je sais pas, celle de ce matin et celle de 14h. Non mais celle de... Attends trois tempêtes dans ce cas-là. À 8h, à partir de 8h tu peux. Il y a une tempête à 8h. Attends trois tempêtes, attends jusqu'à la tempête de 14h. Ouais mais sinon il y avait une tempête à 8h. C'est la tempête... Ta gueule. Oui mais c'est bon hein, la tempête de 8h. La tempête de 14h demain, c'est ça. Ouais. Si la tempête de 14h tout est bon, tu poseras tes 9 autres coffres. Ah ça y est. Oui, t'as remboursé le sale aussi au prix où je t'ai dit? Ah ouais, oui. J'étais à 14 millions et là maintenant je suis à 22. Rembourser l'entrepôt, les coffres et le sel. Alors enfin, pouvoir travailler. Ouais, Jason Adams, il est pas libre avant un certain temps apparemment. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, il me dit qu'il est pas dispo, je vous contacte dès que possible.
Oui. Oui. Non. Ok, très bien. Très bien. Mais il y a un dev, mais pas un dev. Ils sont prêts avec le vent. Il évitera de me faire ban parce que je bouge pas. Je reviens dans 5 minutes. Ok, c'est reçu. Et quel loup sur la sécu? Ouais, je sais, celui qui vient de me faire le remboursement. J'ai envoyé un petit clin d'œil. Ah, tu suces déjà? Mais t'arrêtes, hein? Pas vrai. Dès que tu vois quelqu'un, tu suces. Un fou, quoi. Eh, mon adjudant, un soldat qui vous parle comme ça, vous dites rien? Pas normal. Oh, ah oui, hein. Je veux pas le tata pour ça, voyons. Ah oui, c'est là. Tac. Pourquoi y'a un hélico qui tombe pour putain? Oui, un hélico. Je sais pas, à mon avis, c'est celui d'Ezra, il a laissé tourner. Bah, c'est possible. Ah si, ou il s'est arrêté, et puis voilà, contact. Non, ouais, mais. Je peux venir avec toi, bien sûr. Bah oui. S'il veut bien se pousser là, avant que je lui roule dessus. Où est-ce que je vais? Je lui aurais bien répondu quelque chose, mais ça aurait été malvenu. Salut, salut. Ça va très bien et toi? Ah oui. Faut que je squatte sur retour et un petit décalage, donc faut savoir qui vient de follow, sauf si j'ai eu l'email avant. Allô. Allô mon cher JP. Voilà, bienvenue à toi Lucas GZ, merci d'avoir follow. Ah c'est bon, c'est le dernier camion. Oh. J'en avais déjà vendu hier.
chou pour passer ici. Ah, c'est très mal foutu. T'es loin en attendant, sinon. Ah ouais. Ouais, plus de place, c'est sèche. Et vite. Et bien. On glisse à la place de 8, quoi. C'est ça que je voulais faire. Pourquoi t'as joué avec ma braguette? Bah dis donc, qu'on est tout seul, il faut bien profiter. Je rigole, il t'en reste plus qu'un. C'est rentable ton entreprise? Quand je vends, oui. Quand je vends pas, quand je vends à ceux qui doivent m'acheter le poisson, oui. Quand je veux pas, non. Quand je sors que des salaires, c'est pas rentable. S'il te plaît. Merci. Rien, je reprends juste mes affaires à l'intérieur. Que tu dois encore vendre? Non, non, c'est bon, là j'ai tout vendu. Il en faut que. Hop. Si je vous dure là-dedans. Ça roule, mais. Je l'ai pas vu. De quoi? Je ne l'ai pas. Tu ne l'as pas vu quoi? Avec quoi on s'écoute quoi? Il est dans le gang, il est pas avec quoi je veux dire. Qui? Chris. Ah ouais. En fait, là, pour ma question rentabilité, pour le moment, j'ai pas vendu mes stocks. Donc, ce qui fait que j'ai sorti plus de salaire pour les intérimaires que j'ai récupéré d'argent. En fait, je suis rentable que quand je vends une grande partie de mes poissons, quoi. Comme hier, j'avais un gros souci. Mon PC a arrêté, du moins Arma arrêtait pas de crash. Donc j'ai pas pu atteindre les objectifs que j'avais l'intention de faire hier. Donc là normalement il y en a un qui veut m'acheter du poisson, il veut m'acheter 1000 unités je crois. Il fait de l'off-road. Ah bon? Qui ça ou ça? Moi j'ai rien vu, dis donc. Toi? Bah attends, il y avait des rebelles dans la ville, moi j'ai contourné. Ah bah oui, oui, oui. Bon, ça, c'est trop mieux. Bah, tu les as pas vus les rebelles en embuscade? Ah si, si, oui, oui, il fallait bien passer par là, sinon ça serait des cartouches. Hein. Des bons acteurs. Ah bah attends. Avec leur guillemets là.
façon, tout le monde le sait que les rebelles se cachent plus, ils sont pas discrets. Alors, donc on les voit partout. Donc on n'aura pas de mal à nous croire. Ah, il y a caca qui va faire du sel. C'était marrant ça. Barré, hein. Ah, j'ai eu peur moi. Ah. Je me suis dit qu'est-ce qu'il fait. D'ailleurs je vais te récupérer tes selles à l'intérieur. Attends, je t'y donne les clés. Ouais. En profiter pour voir si ça sauve l'air de bien. Voilà monsieur. 45 selles, ça va. 10 à chaque fois. Pour le moment. Pourquoi pour le moment? Parce que le cerveau pour le moment il tourne bien. Ah d'accord. Bonjour. Vous va ravir ce beau costume. Magnifique. Votre d'ailleurs. Monsieur Rodriguez. Vous faites quelle entreprise déjà? Je fais du poisson fumé moi. Ah d'accord. Donc va falloir que je vous ajoute aussi, je suppose. Je fais du poisson, mais je le fume pas, quoi. Oui, oui. Mais vous fumez les autres. Mais non, je te vois. Poisson, 4400. Je vous ai donné les clés pour que vous récupériez. Il y a normalement, si je me trompe pas, si je m'abuse, 150 voilà. Selles traitées. 150 poissons, normalement. C'était de l'ornate ou de la soupe, je sais plus, c'est celle où j'en ai le plus. Ou pas. Et vous aviez. Faut enlever 610 du poisson fumé que j'ai et c'est le poisson fumé qui vous appartient. D'accord, bah. Au pire, je prends aussi ce que vous avez en stock. Bah là, j'en ai 610 et j'en ai encore 128 dans ma maison. Je peux prendre un camion pour aller vous les chercher si vous voulez. Je pense qu'on fera ça plutôt vers 21h30, comme ça j'aurai fini de stocker, j'aurai traité quelques poissons fumés aussi. D'accord. Monsieur Tchèque et Monsieur Rodriguez. Oui, je vais poser les sous et je suis à vous. D'accord, parce que j'ai...
Voilà, donc le site du gouvernement, je vous ai inclus dans une conversation où vous pourrez assister à voir un GDoc et c'est pas le bon truc que j'ai mis. Bon. T'as des nouvelles de Chris, Sarah? Okay. Oh, c'est du test. Je vois ce qu'il fait. Des tests. Je vais faire un test, mais on lui casse sur le site du gouvernement, il faudra regarder et normalement vous allez avoir le. Je sais pas, il fait des tests. Donc un GDoc qui nous demande quoi? Qui vous montrera les. Oh, je vais y arriver, hein. Dépêchez-vous, le travail c'est de l'argent. Oui, bah allez-y. Je vous ai mis dans un GDoc où vous avez un contrat avec la Starfish. Voilà. J'y suis arrivé, c'est bon. Ah, les accords inter-entreprises, patati patata, ok, d'accord, ben j'irai lire ça dès que j'aurai le temps, parce que là on a des choses à faire, monsieur Rodriguez aussi. Voilà. Le nombre de choses écrites, moi je préfère, enfin, je sais même pas à quoi ça sert toutes ces lignes. Voilà. Ben moi je l'étudierai dès que j'ai 5 minutes. Rodriguez. Au contrat, vous avez l'appui de monsieur O'Neill si vous le souhaitez, donc vous pouvez le transférer, il lira avant de le signer. Après, ça se trouve, j'ai signé un truc où je dois payer une taxe à Starfish de 400 000 euros. Ah, mais vous n'avez pas signé encore là? Non, pas encore. Signez pas, montrez-le d'abord à monsieur O'Neill, à maître O'Neill, il va l'étudier pour vous. Bah, si vous permettez, on va l'étudier après qu'on ait fait nos choses avec monsieur Rodriguez. Ah, c'est pas tout de suite, on n'est pas à la pièce, hein. Ouais, parce que là, si monsieur Rodriguez, je pense qu'il a sa marchandise qu'on a réussi à sauver in extremis. Donc autant qu'il la récupère avant que, par malheur, on ait un problème de. Ça fait pas de bruit, ça. C'est quoi ce storm là? J'ai 18, silencieux, c'est ça? Un Glock 18. Silencieux. Ça, tu verras jamais. Regarde ton silencieux. Silencieux, ça doit être moche. Oh, c'est horrible, ça fait siffler les oreilles. Waouh! Ouais, ça fait siffler la gueule de celui qui se demande l'autre. Ah ouais, mais ça fait trop mal aux oreilles. Il y a une vente de poissons fumés aujourd'hui, apparemment. Oui, la proposition. Ouais. Moi, j'ai pas répondu puisque. J'ai pas de chargeur. J'ai répondu oui, c'est la collection. Heureusement. C'était en vente. Que vous vendez. Donc. Adams qui. C'est les petites caravanes qui font le moment. Les petits quoi? Les caravanes. Les gitans? Ouais. Elle a changé de numéro, monsieur Dupoyo. J'en ai deux, mais j'ai pas de chargeur. Il est en train de dormir plutôt. Ah, ouais. C'est monsieur Adams, mon ami. Là, tu te dis, là, c'était peut-être une année de son plaire tranquille comme ça. Ah, d'ailleurs, attends, faut que je vois. Putain. Donc, les 128 unités que j'ai dans ma maison vers là-bas, vous voulez que j'aille les chercher? Y'a pas de soucis. Comme ah ça, voilà, c'est bon. Comme ça, je vais déjà aller chercher ça et récupérer ce qui vous appartient. C'est gitan ? Non. Donc normalement, dans mon coffre, il y a à vous 150 unités de sel traité, 150 poissons. Alors, je sais plus si c'était de l'ornate ou de la soupe. Mais pour ça, il y en avait 150 à vous. Et excusez-moi. Et le poisson fumé qu'il y a, il y a 610 qui sont à moi et le reste était à vous. D'accord. Qu'est-ce que j'allais dire d'ailleurs? Est-ce que c'est possible d'utiliser des camions sécurité pour faire les transferts? Bah si monsieur Fitz veut bien nous en sortir, ouais, oui. Ouais, attends. Moi, je vais déjà partir à chercher 128 unités de poissons fumés pour les ramener. Si tu veux, je peux lui mettre le sel traité dans ses coffres s'il le veut. Attends, il y a un minute. Les 150 de sel traité. Ouais, bah, de toute façon, monsieur Rodriguez a les clés, tu les as. Ouais. Moi, je vais aller vite faire ma maison chercher le reste de poissons fumés et j'arrive. Je vais chercher un camion alors. Tempête sécurité, il va pas aller jusqu'à vos entrepôts tout seul, les gars. Jean-Pierre, il vient le chercher pour donner un coup de main.
Monsieur Dave, je vous prends tout et je vous paye. Ouais, bah oui, si vous voulez. Moi, je vais chercher 128 qui reste chez moi. Et puis, on voit ça dès qu'on aura fini de tout transférer ce qui vous est dû dans votre entrepôt. Ça marche. Allez, à tout de suite. Oh non. Celui qui parle. Oh ouais. Je vais sans venir celui-là. Monsieur Oni ? Oui ? Il y a monsieur Jeune Velasquez qui veut vous voir pour vendre du poisson. Et en jeter la soupe. Bah là, je suis parti chercher de la marchandise, donc je suis pas disponible de suite. D'accord, pour être disponible en combien de temps ? Je sais pas, le temps que j'aille chercher la marchandise. Bienvenue à toi, WhiteTix51, ouais c'est ça, WhiteTix51, merci d'avoir follow. Je crois que j'ai 128 unités ici. Je sais plus. Par contre j'ai fait le con, j'ai pas pris de bouffe. Rien à bouffer dans ma maison. Si. On va déjà bouffer ça. Alors. J'ai 118. Non, c'est 118. 118, 112. Combien je peux en prendre? 29, ok. Et... Il reste plus beaucoup de champagne dans ma baraque. Et oui mon Jack, je te suis partout. Ah, c'est qui? C'est qui WhiteX? Merci. Je pense que quand tu dis tu me suis partout, c'est par rapport aussi à la chaîne YouTube. Une bande du poisson. Faut que je me méfie parce que là j'ai plus trop de pognon aussi. Non, c'était 118. Ça fait 728 unités. Ouais, c'est ça. Que je fous avec une jerrycan vide chez moi. On revient. Ça c'est à moi. Oh, on revient. Okay, on revient, Jean, je lui ai cassé la tête à lui.
Coucou. Du coup, il faut mettre quoi dans le bébé parce que je sais pas ce que. Dommage. Tout le poisson fumé, parce qu'il me rachète les 610 unités qui étaient dans mon entrepôt. Oui. Après, il faut que je mette les 118 qui sont dans mon magnum. Et en poisson, il avait 105. T'as besoin de quoi? T'as besoin de jet sop, c'est ça? Non. Alors, mais qu'est-ce que... Je mets quoi dans le bébé, en fait? C'est ça que je demande. 150, je sais plus si c'était de l'ornate, mais 150 poissons quoi. Donc je pense. Ouais, peu importe. Bah 150, la même. Il a quoi comme poisson dans ton café? J'ai des d'ornate 476 et 475 top. Ouais, bah de toute façon, ornate ou du 150 poissons, que ce soit de l'ornate ou de la sope, peu importe. Et ça va où après ça? Non, faut pas prendre de son entrepôt vers le mien. Hein. Faut prendre du mien vers le sien. Ah, d'accord. Chercher le grand bébé. Alors là, tu as déjà transféré les 150 de sel traité. Ouais, c'est ça. Voilà. Maintenant, il faut lui mettre 150 poissons dedans. Et après, on transfère la totalité du poisson fumé. Poisson fumé. Ouais. De ton entrepôt à lui aussi, hein, c'est ça? Ouais. Tu me donnes les clés du bébé que je t'aide à charger? Oui, ça suffit. Bébé. Merci. Jack? Oui. Est-ce que Henri Robert Patrick, je peux te dire une petite phrase? C'est un scan. Il est sur la Vega de motorisation intérieure. Sur l'île, c'est pas très beau de dire ça. C'est juste une phrase. Et oui, mon Jack, je te suis partout. Ah, pff, il est con lui. filet drone. Bah tu en mets 150 même poissons, t'as pris quoi? T'as pris de la sope? La sope, ouais. Civil pour Vegas, ce que vous recevez? Ah si, je confirme même. Ouais, de la sope. Y'a quelqu'un qui répond sur la 30 là? À l'hélico? J'ai cru comprendre civil pour Vegas et puis j'ai pas entendu la suite. Vegas, ça écoute. Personne sur la 18. J'en ai 17. Donc plus qu'un. Attends, je le prends. Ouais. Et après c'est ornate, hein? Non, 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 après c'est tout le poisson fumé. J'avais pas compris au début ce que je voulais faire. Bah en fait je lui rendais ses. Ah oui d'accord.
c'est 150 sel traité, c'est 150 filets de soupe. Ensuite, je lui rends ces poissons fumés et il me rachète les 610 que j'avais, plus les 118 qui sont dans mon magnum. En fait, il m'achète 728 unités de poissons fumés, quoi. T'avais vu qu'il y avait quelqu'un derrière ? C'est vrai, ce mensonge. Il m'a fait peur. Bonjour, mon lieutenant. Ah, je vois que vous êtes toujours aussi vicieux. Hein ? Respect. Respect, mon lieutenant. Faites pas pipi sur nous, hein, c'est pas très gentil. Ah non, y a plus la dimension. T'as vu Jean-Pierre comment il nous espionne pour voir si on parle sur lui, t'as vu? T'inquiète même pas. Bof. C'est un professionnel dans le de l'infiltration, tu comprends? Et est-ce qu'il est sort de ton corps? Génial. Il était là à porter la mise à jour là, pour moi, parce que je vois pas de grand changement. Hein. Ah, je sais pas. Ça marche, je sais pas. Il y aura une mise à jour qui sert à rien. D'hab. Voilà, c'est tout ce qu'il a là-bas. Là. Hein? On voit le point GPS là. Chef de gang là, le tomber quoi, tu le vois laguer. Tu le vois quoi? Je le vois avoir des problèmes de cerveau là, tu vois. Ah. Avoir des arrêts cérébrales là, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'en mets en combien, Jack? Bah, tout le poisson fumé? Attends, je viens. Et ça, ça va dans son entrepôt. Tout à fait. Je pensais qu'il allait vendre ou autre chose. Elle est à qui la Dodge Grise? Pas à nous en tout cas. Chercher après. T'as accès à son entrepôt? Oui. Ah, mais attends, je vais passer les clés. Les clés? Non, je les ai pas. Du coup, vous avez vu avec monsieur qui est venu pour le vendre du poisson? Non, non, mais d'abord je... Ah, d'accord, non, mais c'est pour savoir ce que j'étais parti, pour savoir ce que vous avez... What? C'est quoi ce béret? Un béret rouge. Et non. Mais je pourrais le prendre, c'est... Il suit là aussi. Ah ouais. 49 Mohawk en direction de Kavala, demande l'autorisation de se poser. Et Jérôme, bon amour. Ah, Jérôme, bon amour. Ce que j'ai là. Bon amour. Oui, ça tu peux. Oui. Moi je mets bien un truc devant ma bouche aussi. Tu les fais les bérets ou pas? Ah oh ouais, c'est pour les deux. Je les donne. Tu les mets dans le tempête? Ah ouais, si tu veux. Si j'en ai une vingtaine. Ah ouais d'accord. De toute façon je pourrais pas les utiliser. Non mais c'est collection. Ouais, moi ça me fait toujours plaisir. Après il y a les petits trucs que je peux me séparer. Ouais, ah tu m'étonnes. Petite clé 18, j'ai pas de chargeur mais si j'arrive à en choper. C'est dommage, l'arme que tu m'as donnée tout à l'heure, y a pas de chargeur avec. Je me demande si les... Ah j'ai oublié de les prendre, excuse. Non c'est pas de soucis.
Il glisse bon. J'en ai des chargeurs. Ah ouais. J'en ai, je, bah, là toi, j'en ai une vingtaine de 33. Ça pèse de rien. Vous en voulez un, monsieur Anil? Un TT-33. Un quoi? Un TT-33. Une arme. C'est un, une arme secondaire, si vous voulez, c'est un pistolet avec du 762 à l'intérieur. Ah bon? Ouais, ça, ça fait mal. Bon, après, c'est pas très légal, mais en tant que collection, vous voyez. Ouais, non, non, non. Moi, je suis avocat, je touche pas au pas très légal. Faut vous lâcher un peu, monsieur. Non, non, il en va de ma réputation. Ah oui, après. Bah du coup, est-il possible de vous faire une commande pour être sûr d'avoir mon poisson, pour le coup? Mais attendez, mais c'est pas possible. Non, mais je suis pressé. Ouais, mais là, déjà, vous m'empêchez de déballer, ouais, de... Non, on va dire, ça fait une semaine que j'attends, donc voilà, vous voyez. Pour essayer de combattre le manque, par le manque, vous voyez. Ouais, attendez, là apparemment il y en a qui veulent me vendre du poisson déjà, donc oui. Après moi c'était plus 1000 unités, vous voyez. La même, je crois. D'ailleurs le monsieur est là. Là il s'en va, je crois. Triste vie. Ah non, il arrive à vous embêter. Bon, je vous laisse. Bonjour. Bonjour. Attendez, attendez, je suis en train de faire une livraison là, et si vous mettez devant moi, je peux pas. Attends, vas-y, vas-y. On règle ça. Oui, non, mais il n'y a pas de problème, C'est juste que je voulais me mettre au courant que j'ai pas mal de quantités en soap et en ornate qui est intéressé. Ouais, moi ça m'intéresse toujours. Ok, attendez, je finis ça et je vous dis. Vas-y, si tu veux t'en occuper, vas-y, moi je vais vider ce qu'il faut. De toute façon, il faut qu'ils viennent avec leur camion livré. Ouais. Donc, en combien d'unités vous avez au total? Ah bah de toute façon c'est pas difficile, hein. Je vous reprends la soupe l'ornate à 1000 euros, hein. C'est le cours de la bourse au plus haut. 1000 euros pièce? Oui. En sachant que tu vas faire du fumé avec, non, c'est pas possible. Moi je fais pas de poisson fumé. Hein. À 5000... Moi pour information je le revends qu'à 1400. Et pourquoi tu le fais pas en fumé, c'est ça? Parce que je fais pas de poisson fumé moi, je suis qu'un grossiste en poisson, je fournis du poisson. Ah bah. On est prévu justement de largement moins cher que la bourse en fumée, mais pas à 1000. Bah de toute façon, c'est pas dur. Un type qui fait du poisson fumé rachète une unité de poisson à 1400 et rachète une unité de sel à 1800. Ah bah oui, pour le transformer en poisson fumé, il faut du sel. Il faut autant de sel, le même nombre de sel que de poisson pour le fumer. Donc à la base, un poisson fumé. Sans compter, en comptant la bourse la plus haute du sel traité et du... Moi, c'est pas dur. Une unité de poisson fumé revient à 1400 plus 1800. Quelqu'un qui m'achète du poisson et qui achète du sel à traiter à monsieur Castro, ça fait 1800 plus... 1400, ça fait 2800, 3200. Déjà, ça revient à 3200 l'unité, le poisson fumé, pour le faire. Par contre, je vous entends hyper faible. Ouais. Ah bah, tu avais baissé sa voix hier. Ah oui, sans doute, oui. Non, non.
Moi je l'entends bien, c'est parti. Et sur l'application Steam, tout le monde avait baissé sa voix. Enfin bref, écoute, ouais. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Quoi, vous vouliez quoi? Ça prend deux places, non, la soap et l'ornate? Ouais, je crois. Ok. Il doit être sur l'application Steam en train de regarder, c'est pour ça. D'accord. Ouais, de quoi, mon général? Ça prend deux places, la soap et l'ornate, non? La soap prend deux de places, oui. Et l'ornate aussi? L'ornate aussi. Ouais, c'est un petit poisson, hein. Dans un H-mètre, on en met combien? Il faut qu'on sache combien on en met. C'est 225 dans un H-mètre. D'accord, ok, ouais, donc 225. Non, 225, je dis. Si, 450 égale bien 225. Ouais. D'accord. Mais vous repreniez pas juste les H-mètres plus chers que les poissons normaux? Hein, de quoi? Les H-mètres de soap et d'ornate, vous les reprenez pas plus cher que le mix normal? Non. Merde, j'avais parlé. T'étais là, Steven, quand il... J'avais pu comprendre ça aussi. J'avais dit que je reprenais la soupe ou l'ornate à 1000 euros l'unité. D'accord, ok. Ah, j'avais cru comprendre que les H-mètres de soupe et d'ornate, on nous les reprenait largement plus cher, c'est pour ça que j'avais fait du stock. Ouais. C'est ça. Viens, le belge. Et quelqu'un veut venir? Ah, j'ai glissé. Coup, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, justement. Ah, vous voulez que quelqu'un veut venir faire un tour d'ailleurs? De toute façon, il n'y a pas le choix, on va aller. C'est bon. Non, là, monsieur Rodriguez m'avait dit, donc je m'en aller. Écoute, vas-y, on va faire des trajets en HM. Monsieur Rodriguez m'a très vite. 250 000. Il a dit, j'étais moche. Voilà quoi. Oui, c'est vrai. Comme ça. Voilà. On revient à ta. On va dans une voiture. Par contre, va garer ta voiture, toi, Steven. On y va en une voiture. Monsieur Rodriguez, il y a Jean-Pierre qui termine de transférer. Donc j'ai ramené les 118 unités de chez moi, parce que je ne pouvais plus les mettre dans mon coffre. J'avais 610 unités à moi, au total 728 unités en fait que je vous revends. Et tout le reste qui était dans mon entrepôt vous a été remis parce que ça vous appartenait. Alors je sais pas si vous aviez pris des photos juste avant. Bon, de toute façon, je vous fais confiance. Hein. Et il y avait 150 unités de sel traité qui vous appartenaient et 150 ornates qui vous appartenaient aussi, de mon entrepôt qu'on vous a remis dans le vôtre. 110. 128. Oh, belle. Non, 610 plus 118. J'en avais que 118 30. Chez moi. Bonjour. Bonjour, messieurs, excusez-nous pour cette tenue. 110. 118. 2800, ça fait 2 millions 6400. Vous êtes passé, vous avez de la chance, votre voiture elle a annulé ma sortie d'avion. D'ailleurs, je compte mettre fin à mon système bancaire là. Enfin, trop compliqué? Non, c'est juste qu'il y a beaucoup trop de demandes et des demandes. Pas assez de fonds. Non, c'est pas ça, c'est que c'est des demandes inutiles. Ah. C'est-à-dire que des messieurs sont arrivés à peine hier, me réclament 15 millions. Non, pas très sérieux. Et quand on leur dit que leur projet n'est pas solide, ils vont se plaindre plus haut. D'accord, et vous avez déjà des retombées négatives? C'est le genre de personnes, quand vous leur faites pas d'emprunt, ils disent quoi, oui, tant qu'il sert à rien. Bah non, écoutez, mettez une clause comme quoi dans votre truc, vous ne prêtez que aux gens qui, ça fait tant de temps qu'ils sont déjà présents, du style un minimum de 3 semaines, puisque pour tout, que ce soit les entreprises, pour les probations, que ce soit pour partout, le délai raisonnable est à chaque fois 3 semaines d'ancienneté sur l'île. C'est pour ça que je demande à chaque fois... Et quelle est leur catégorie sociale, hein, oui. C'est des travailleurs ou
travaille dans une entreprise. Moi, ça me gêne pas de donner de l'argent à quelqu'un qui travaille en CDI. C'est une entreprise active où le patron il me dit oui, celui-là. On peut faire confiance, il est fiable. Ah, je vous entends plus, monsieur Rodriguez. Là ? Ouais, là je vous entends mieux. J'ai eu peur à un moment, j'ai cru que vous alliez de nouveau être marabouté. Non, ne vous inquiétez pas. Encore été marabouté, c'est que. Ouais. C'est que ça va. Attention, il y a monsieur Castro qui arrive avec. Qui arrive avec le bébé. Pas vous faire écraser. Jack. De quoi ? Il ne reste plus de poisson. Ah bah impeccable. Comme ça on a rendu tout ce qui appartenait à monsieur Rodriguez, plus le poisson que je vends. Fumé. Voilà. Je le vide, c'est bon. Attends, je vais te donner un coup de main. Et encore, monsieur Rodriguez, hein, l'ancienneté ne veut pas tout dire. Regardez, moi, personnellement, si je venais à vous emprunter 15 millions, mon entreprise n'étant pas assez rentable, je pourrais même pas vous les rembourser en un temps suffisant. C'est sûr. Après, il faut faire des emprunts utiles, quoi. Enfin, 15 millions, oui, c'est super, mais bon... Après, si je vais pas attendre 4 mois pour que tu m'en bourses, quoi. Voilà, par exemple, maintenant, disons voir, puisque j'ai quand même étudié votre projet, si je venais à devoir acheter un deuxième entrepôt, du style j'aurais besoin des 4,2 millions pour l'entrepôt, non, c'est 4,2 millions, c'est les coffres. Les coffres. C'est une somme que je dirais raisonnable, qui est. On prend 10 millions pour le coffre. Ouais, au total, ouais, on en a pour 9 millions et quelques. Ouais. Ça serait quelque chose de raisonnable et de remboursable. Mais après, quelqu'un qui vous demande 15 millions, je suis pas persuadé. Moi, je sais que 15 millions, je mettrai du temps à les réunir. Hein, puisque regardez, ça fait combien de temps que je suis ouvert ? Plus d'un mois. J'ai toujours pas amassé 15 millions. Hein. Voilà, tout a été transféré normalement. Ah non, j'en ai encore 25, sûrement. Oh le vilain! Non, j'ai envoyé un message à. Merde. Ah, de toute manière, on va recharger le poisson, puisque il y aura une vente dans pas longtemps. Zut, vous auriez dû le dire avant, on aurait laissé le poisson fumé dans le bébé. Ouais, grave. Ah, mais c'est pas grave. Voilà, ça j'y ai pas pensé en fait. Je pense appeler les bodyguards, mais. Non, mais le comble, c'est que Jean-Pierre y avait pensé, mais je savais pas si vous vendiez. Je pensais que vous alliez vendre ce soir, mais après j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, vous m'avez demandé de ranger ça, bah ouais. Au pire, on fera travailler les autres agents.
Au pire. Parce que je vous avoue que transférer tout ça, ça prend du temps. Ensuite. Elle passe. Oh, vas-y, fais voir ce que ça donne. Oh purée. Enfin, le 18, monsieur. Enfin, le 17. 18, non, c'est parce que je veux le 17 ou le 19, donc forcément, vu qu'il y a que du 18. En fait, vous voulez tout, les blocs. Attends, regarde, tiens, je te le fais. Sauf les bons. Je le fais en mode Glock normal. En mode Glock normal, il est super beau. Non, mais il a retiré le chargeur, je sens. Ouais, c'est le chargeur qui fait tout, en fait. Le chargeur, pour moi, il est trop grand. Bah, c'est un le 18, hein. Ouais, bah, c'est pour ça, je préfère le 17 ou le 19. Sur relation ouais. Player. Ah, il se plaît parce que ça coûte cher ces machins. J'en ai une dans mon coffre. Moi personnellement, au prix où je l'ai eu. Ça coûte combien? Vous me direz un prix? Non, je vais pas parler non plus de chaque chose que je paye. Voilà. Même pas ça partage les plans. Même pas! Mais du coup, tu peux me dire le numéro? Parce que moi, ça fait numéro moins. Tu sais, quand j'affiche le numéro, ça fait numéro moins. Vous allez bien, messieurs? Ouais, numéro. Normal ou pas? 02. Attends. Si en plus t'es pas prêt. Vas-y. 02. Ouais. 04. Ouais. 85. Ouais. Ok. Et c'est Hermene Gildo Barato, patron de la Vital. Hermene Gildo Do Barato. Barato Vital. Ça me servira à rien à part un numéro en plus dans mon annuaire, mais. Les gars, j'ai pas d'amis qui manquerait. Je pourrais lui envoyer des messages en anonyme, comme avec Monsieur Coplet des pompiers. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il est là? Ah, par contre, Monsieur Rodriguez, on va aller au DAB, vous payez le poisson fumé, s'il vous plaît. Putain, comment il réclame la thune? C'est normal, j'ai des gens qui vont me ramener du poisson à racheter, il faut des fonds. J'ai combien? Attends, c'était combien? C'était 2 millions 38 400. Tout à fait. Vous passez aussi les 50 000 là pour le contrat que vous m'aviez fait. Oui. 2 millions 38 400. Ça. En 50. Merci. Vous êtes puni. Ah oui, ça c'est pas grave. Non, c'est même pas vrai, vous êtes pas tout nu. Vous avez fini de dire des bêtises, vous? Oh, je rigole un peu. Pas un peu rigolé dans la vie, hein. Moi, est-ce que je vous cause avec votre satellite là sur votre dos là? Ouais, bah, j'ai pas le choix moi d'avoir ce satellite. Ah bon, pourquoi? Parce que bah, Eva m'a donné ça quand je me suis fait tomber par. Enfin, ça s'est fait tomber par un robot. Bon, voilà. C'est moi qui j'ai sorti ma voiture. Pas moi, je sais même pas. Ben, tu l'avais rangé, je crois. Ah ouais, je l'ai rangé. Alors, du coup, je vais reprendre en photo mon entrepôt par rapport à aux livraisons que j'attends. Mais t'as entendu, Jean-Pierre, il voulait me racheter. Il voulait pas que. En fait, je vous explique, j'ai des gens qui ont travaillé pour moi qui ont pêché pas mal de sopes et d'ornates. Il me demande à combien je leur reprends. Je leur dis à 1000 euros, le cours le plus haut de la bourse.
Et il commençait à me dire, bah non, nous on avait l'intention de le revendre plus cher et tout ça. Je dis, bah attendez, je peux pas vous l'acheter plus cher, je le revends déjà 1400. Je peux pas vous acheter ça plus cher, sinon je fais pas de marge. Ah bah oui, mais en prenant compte que vous faites du poisson fumé. Bah, je dis, faut pas oublier que celui qui fait du poisson fumé, non seulement il achète du poisson, et en plus il achète du sel pour le traiter. Donc, je sais pas combien du coup, tu avais entendu un prix auquel il voulait que je lui rachète. Moi j'ai pas entendu. Non. Ah, monsieur Rodriguez, vous allez vendre du poisson ? Ah, si vous avez besoin de chauffeur ou si on est là, hein, au fond. Vous avez besoin de combien de. Bah, déjà, si Ezra confirme l'histoire du bébé, pourra transférer dans le bébé le poisson fumé déjà. Vous avez combien à vendre, monsieur Rodriguez ? 1300, je crois. Il faut plus que deux bébés. Ouais. Il en faut trois. Ah, mais il a pas trois bébés, Ezra. Au pire, il faut un magnum. Deux bébés et un magnum, ça suffit. Bah, là, j'ai un magnum de sortie, donc à la limite. Vous attendez pas que la bourse monte, monsieur Rodriguez ? Oh non, ça va aller, la bourse, elle est bonne là. Et très très bonne même. De toute façon, en théorie, vous vendez en même temps que monsieur Dipouillot, non ? Pourquoi ? Enfin, oui. Non, j'en ai pas. Je crois qu'il est pas là, monsieur Tipoyo. Le mec. Bah, monsieur Adams, alors. Le mec, il s'en bat les couilles des pattes en arrière. Enfin, quand j'entends le nom Dipoyo. Moi, mais ça me fait un peu bizarre. Enfin. Vous êtes l'avocat de monsieur Dipoyo ? Non, c'est monsieur Jean Loiseau qui est avocat de monsieur Dipoyo. Il est où monsieur Jean Loiseau ? Ben, je sais pas. On va dire qu'il s'est envolé. Oh, pardon. Oui. Si je peux, tu l'as sorti en 15 fois aujourd'hui, celle-là. Ouais, mais moi c'est la première fois donc je suis content. Tu peux faire une blague ? Non. T'es belge ? C'est là. Il est quelle heure ? L'heure de fermer ta tronche. L'heure de t'acheter une. Ah vous savez quelle heure il est ? Réglez ça entre vous, mais les gars. Ah oui, oh là là. Ah, c'est quoi cette blague ? Moi tu me dis quelle heure ? Ah, bon, je l'ai posé. Il y en a qui se gare. Non, c'est là. Ici le poisson. Celui-là ? Ouais, c'est ici. En fait, garde-toi de l'autre côté, là où je suis. Là, exactement là où il y a le poisson. Merci. Je pars. Il n'y a personne face à vous. Envoie-moi ta carte, s'il te plaît.
sans compter qu'on en a aussi dans nos inventaires. T'en as combien toi, Mister? 8. D'accord. Donc en comptant les deux inventaires, il y a 57 de plus. Ok. Il cherche pour le vin. Seulement 35 minutes, non, non, c'est quasiment une heure. C'est un gros camion qu'il faut remplir. Arrêtez les camions. Au total, avec vos inventaires et les deux HM, ça fait 507, on est d'accord. 225 plus 225, et vous m'aviez dit que vous avez 57. Ouais, voilà, c'est ça, voilà. Exactement. 107 fois 1000, donc ça fait 550. Tout à fait. Au pire, quand t'as libéré 29 places, dis-le moi. Comme ça, je me dis. Ah là, c'est déjà bon. Je vais. Voilà. 29 de plus. Avec les miens aussi, mais du coup. Je te donnerai ta part si tu veux bien. Mais bon, il faut que je compte la sortie de camion et le fait que t'as pas été là tout le temps, tout le temps. Et t'auras une bonne part, t'inquiète pas. De toute façon, il va falloir que tu me rembourses, donc j'ai intérêt à bien te payer aussi. Bon, en plus. Et j'ai pas oublié les 1 million de ça. Quoi. Bon, c'est une petite somme pour toi. 1,5 million. Pour une entreprise, 1,5 million, c'est une somme. Même pas un quart, c'est tout cas. Même pas un quart de ce que t'as. 1 million 6, ouais, c'est bon, t'as pas un quart de ce que j'ai. Bah, de toute façon, t'as plus un quart de toute façon. Même plus, les amis. Hein? En plus, l'avantage, c'est que dès que t'auras des coffres, toi aussi, tu pourras fournir en poisson le Vegas. Ouais, ou en sel, ou d'autres choses. Vous aurez de la place par contre en poisson ce soir Je vous dirai ça quand j'ai fini de. D'accord. J'ai encore un peu de rab sur le côté. Bon, c'est un petit peu d'autres poissons. Ce sera le même prix de toute façon. Ce sera 250 le HMTT. Ah, 225, qu'est-ce que. 225 le. L'HMTT, oui. D'accord. Ouais. Peu importe le poisson qu'il y a dedans. Oui, oui. Le thon, il prend combien? Il prend 5 places comme le poisson chat, non? Il me semble. Bonjour, en fait, Altice Airlines 742 pour décoller de l'aéroport international pour Jack 2. Plus cher le thon. Ouais, mais le problème c'est qu'il prend énormément de place, donc au rapport poids-rentabilité, il est pas forcément aussi rentable. Ouais. Oh putain, ça a tiré. Ouais, c'est pas grave, sinon Vegas, il y a un peu une alerte radio. Ouais, parce que regarde Steven, par 2 ça fait 1400, c'est à peine plus rentable que la soap et le Ornat, ouais. En fait le poisson chat et le thon, c'est à peine plus rentable. Un LED Jack? Non, ça va aller, c'est presque fini. Je remplis déjà les bébés ou quoi, tu crois? Je sais pas, Ezra il a confirmé que il fournissait le bébé ou pas. Ouais, mais t'as vu ce qui se passe avec Digo? Non. Casse-toi, tu pues. Ah, vaut mieux pas prendre le risque alors.
De toute façon, ça va pas, vu qu'il est plus là vraiment sur la ligne, quoi. Ah, vaut mieux éviter. Ouais. Parce que là, je pourrais pas remettre dans mon. Non, bah non. On aura quoi du mulet, accro, ouais. Problème de récolte. Pas combien ça pèse le macro. C'est Gilles pour gendarmerie. Macro ça prend 3 places là. Ouais. Ouais, je pense parce que c'est à peine plus gros que la soupe. Ah, t'as vidé ton sac dans un sac ? Oui, dans le tien tout à l'heure. Voilà, messieurs, on va voir. Je vais aller vous payer. Essayer de sa paye. Il a des. Ça pourrait aller mieux. Et bon. Bonjour. Ne t'inquiétez pas, je suis avec monsieur. Moi aussi. Alors, on a dit. Je vais redistribuer. Hein. Vous avez la totalité, c'est moi qui. Bon, toujours la même procédure pour la comptabilité. Voilà. Je te paye à la moitié de ah oui. 250 000, même si à la base je devais te donner 200 000 parce que tu as participé à un participe. Ah, merci. C'est en banque, mais toi aussi, toi. Ah oui, oui, évidemment. Ah, j'étais passé le million. Même pas compter le fait que moi j'ai sorti les HMET. Ah bref, tu me rendras l'appareil quand tu auras les HMET aussi. Bon bah merci, et puis on revient à mon avis. Alors on aura du peut-être encore un peu de Hornat et du mulet et du macro. D'accord. Ouais. Après peut-être du thon, du chafin. On revient de toute façon. Ok. Il y a des. Mais messieurs,
veut sur votre très très jolie affiche qu'on pouvait acheter des cigarettes. Oui, monsieur. C'est qui qu'il faut voir? Il faut voir avec monsieur Strafik qui est là-bas avec la personne. Ah, d'accord. Jack. Oui. T'as pas la Subaru bleue là-bas? Non. Je suis pas. Je suis venu avec Jean-Pierre, moi. Donc c'est agité. Bah peut-être, je sais pas, faut lui demander, ouais. Ouais, c'est pas une bonne. Voilà. Mis à jour les comptes, les stocks. Non, pas les comptes, juste l'état des stocks. Donc oui, je confirme que là, j'aurai 1000 unités que je peux vendre. Vous avez 1000 poissons? Vous êtes disponible? Ouais. D'accord, je vous les achète. Je vous paye tout de suite, puis vous les livrez plus tard. Bah là, le souci, c'est comme moi, mon magnum, je l'ai filé à... Non mais vous lui livrez plus tard, comme ça j'ai des réserves si vous voulez. Le truc c'est que Nico il est plus là apparemment, je sais pas où ce qu'il est. Si il est là-bas, en face. Il est là-bas, ouais. Monsieur Rodriguez il vient. Là qu'on t'appelle. Je lui dis apparemment il est en... Tac. Oui. T'as moyen d'aller 2 minutes dans le dôme? Oui. Il y a un truc qu'il faudrait pas que ta GoPro voit, que Kalou va faire. D'accord, j'y vais. Je te dis quand c'est bon sur la radio. Pas de soucis. Ah bah je vais en profiter pour faire une petite pause. J'en profite pour faire un petit sub.
Et d'être militaire. Du coup, je sais toujours pas laquelle c'est la musique qu'ils ont mis. Bon, du coup, monsieur Neil, notre conversation, je peux vous payer tout de suite ou pas? Non, en fait, c'est quand je livre que je fais la facture. Il suffit qu'on ait un souci, vous me versez les sous et une raison pour une autre, je perds mes stocks. Oui, je comprends. Du coup, vous passez dans la soirée, partir ou pas? Bah après, dans un magnum, on met 550 divisé par 2, ça fait 275. Ouais, ça fait un sacré paquet de magnum à trimballer. Sachant que tu en as besoin de 1000. Donc après, est-ce que après la vente de monsieur. Comment il s'appelle? Je cherche une. Monsieur Rodriguez. Ça ferait 3 magnums et quelques. J'en ai 4, j'en ai 6 moi, magnum. Magnum sont pas soucis, on va dire. Parce que là, le souci, c'est le temps de faire la vente. Bah, normalement, moi, je quitte l'île, je prends l'avion à 22h30, 23h max. Ouais, ben là en fait il y aura la minute de silence à 22h30, donc je pense pas que. Ça va être compliqué. Ouais, parce que là. J'aime bien l'avoir ce soir en fait, parce que c'est vrai que le poisson fumé, j'ai besoin en fait. Et ben. Est-ce qu'on va faire deux magnum par exemple? On les stocke. Bah là, disons voir que. Attends, sortir deux magnum. J'en ai un de sortie, ça me fait sortir deux magnum. Mais sinon, je vous le sors le magnum, en fait, aussi. Bah écoutez, après, ce que je peux faire, c'est si vous avez le temps de remplir des magnums, et si vous en avez, je vous donne les clés de l'entrepôt. Quand ils sont remplis, vous me le dites, je prends en photo. Parce que là, je voulais aller éditer la facture avant de monsieur Rodriguez, quand même. Bah, faites la facture de monsieur Rodriguez, et puis, si vous avez le temps, vous occupez de moi. Ouais, parce que là, il faut que je la fasse avant que j'oublie. J'ai pu payer. T'es là demain matin? Oui. Enfin, demain midi plutôt. Ah oui, sans doute. T'auras du sel? Non, parce que je repars à zéro. Hein.
ou le seul que j'avais en non traité. Hein. Combien tu faisais plus? Alors 720. On a besoin de combien? Si monsieur Nil me vend son poisson, j'en aurai besoin de 500 d'autres demain. Comme ça, j'aurai traité déjà les 500 premiers sels. Puis j'aurai les 500 autres à traiter demain matin. J'ai du sel traité, hein, sinon j'ai 480. J'arrive à vérifier dans la maison. Ça c'est nickel ça, sinon. Voilà, facture faite. Je pense que la vente elle va tarder, donc c'est mieux. Bon, je l'aurai. Ezra, j'ai des intérimaires qui sont revenus. C'est pas un camion complet ça. Ah bah pour calculer à l'unité, bah déjà. Attends. Je vais faire le ratio. Ben, disons que je vais bientôt quitter l'île, donc là ça va un peu être short. Assister à la à l'hommage à 22h30. Oui, normalement oui. Alors, comment je vais faire ça? Celui qui a dit test. Ils sont sérieux, ils viennent avec leurs âmes. Alors... Ils déposent. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour... J'ai dit pas d'âme, pas de gilet pare-balles. C'est tout. Purée, comment calculer ce ratio? Ezra, tu calcules la bourse max décimale inférieure et ça fera ta barre. Comment c'est? Ouais, mais là le problème c'est que c'est pas du tout comme ça que j'ai fait mes fiches calculs, donc. Oui, Ezra est là. Ah, tu pourrais me passer les clés de ton entrepôt histoire que je prenne mes équipements, s'il te plaît. Mais je crois qu'il y a du monde pour toi.
s'est passé quoi en fait? Alors, j'aime pas faire ces 51 calculs. Plus 45 plus 14. T'es à poil, Seb. Bah, ce ratio là, ça ferait que 110 000, hein, messieurs. Cadeau des 10 000. Recul. Merci. Par contre, je les garde quand même. Pour le sel, moi j'ai déjà dû le décoller au niveau de la piste pétrolière. Avec un mic neuf, ça. Merci. Je vois pour les lunettes de nuit là aussi. J'ai vu. Accueillement. De silence en honneur d'Edine. Bon, ouais, monsieur, vous pouvez descendre de vos positions. C'est bon, d'accord. Il est mort dans un attentat ou. Il est mort. Mort in-game. Oui, mort sur l'île. Ah oui, d'accord. Là, je préfère éviter les blagues, on va dire. On va vraiment être mort, ce que je veux dire. Très bien, hein. Horrible, on n'est pas. Commencez à aller à la porte, de toute façon après moi je vais prendre le H-Met, je vais le garer devant, on va repartir en H-Met après. D'accord, bah j'ai commencé à aller vers la porte, tu dis que tu vas pour l'hommage pour Eddie. De toute façon j'ai ma voiture qui est encore là moi aussi. Dis que tu vas à l'hommage pour Eddie. Ok. Dis, on va commencer à rentrer parce qu'on va y avoir plus loin. Voilà, c'est bon. D'accord. Je vais garer le H-Met là-bas. Hein. Ok. Rodriguez, monsieur Rodriguez est parti ou pas? Monsieur Nil? Oui, je sais pas du tout. D'accord. Mmh. Ah, t'es à poil, Ezra. Ouais, c'est à poil. C'est vraiment chiant ça. Ah, poil, Ezra. Bonjour monsieur, vous pouvez mettre les mains sur la tête, on va procéder à une fouille s'il vous plaît. Ouais. Non mais on vérifie tout. La procédure évidemment, il y a c'est... ce que je pense ou pas. Des... Vous pouvez baisser les mains sur la tête et présenter votre carte d'identité. Merci, c'est bon, vous pouvez y aller. Vous venez à l'ATM que je vous paye. On vous entend quand même. Du retard, hein. J'ai dû me faire fouiller à l'entrée. Ah bah c'est pas grave. Bon, malgré tout, pour la comptabilité, vous commencez à avoir l'habitude. Oui, oui. Autant pour moi, faut me le redire à chaque fois. Hein.
Voilà. Merci bien à vous. Pas cadeau pour vous. Hein. Ezra, tu vas. Enfin, tu vas me faire paraître pour irrespectueux, mais c'est pour qui l'hommage? Merci bien. De rien. Merci à vous. C'est ça, j'arrive à l'exécuter là. Pour Erdin Choran. J'ai pas regardé le journal. Ça va, Doc. Ezra, il a bon. Ouais, ça va. C'est agréable de marcher sur le plancher maintenant. Ah ouais, je pas Ezra, c'est Sébastien qui a dit ça. Tu peux buter. L'installe du plancher, c'est sympa. Ça parle pas. T'as quoi comme livraison à faire après, Jean-Pierre? Notamment pour. Comment ça s'appelle Vincent, 500 selles encore. Et dans la maison de Ezra. Non, c'était pour demain, tu dis. Si monsieur JPP me vend le sel. Vend le poisson. Ah, du coup, monsieur JPP. Monsieur JPP. Monsieur O'Neill, excusez-moi. Oui. Je suis fatigué. J'ai du jour dans la tête, je suis fatigué. Du coup, on peut peut-être essayer de prendre les deux bébés pour vous récupérer le poisson. Oui, mais après la minute de silence, par contre. Ah oui, oui, bah, je tiens à respecter la minute de silence. Quoi. Après, c'est si un petit peu cet homme. Aujourd'hui, tu me l'as dit. Je le sais le demain, le temps que je traite demain matin. Ah ouais. Ici, pour le l'autorisation de tirer à la Vegas là, pour la minute de silence. Là. Autorisé, vous pouvez vous poser. Je les ai pas. Parce que là, s'il y a deux bébés, c'est bon, hein. On arrive à mettre les 1000. Hein. Oui. S'il vous plaît. C'était du traité non. C'est du poisson. Le poisson, ça prend deux places, non? Oui. Oui, 1000. Ça fait 1000. Ouais. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, Jean-Pierre, c'est pas grave. Oui. Ouais, chaleur. Hein. Oh non, ça s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Il y a deux hélicoptères. L'hélicoptère du Vegas. Ah non, c'est un oiseau. Déjà fait, s'il vous plaît. Et c'est monsieur Oscar, j'ai fait mon appel. Il l'a déjà fait, les gars. Ok, d'accord. Si vous m'entendez pas gueuler sur la 30, c'est que ça a été fait. Elle a qui la Subaru jaune qui a carré sous le Prio dans Vegas? Subaru jaune? Ah, vous êtes à poil, monsieur. Test. Monsieur. La Subaru, une Impreza jaune sous préau dans Vegas, elle est à qui? Alors là, aucune idée. Ouais, mais t'es toujours à poil. Eh ben attends, je vais encore se tuer à terre, ma tenue avec terre, tu vois. Mais tenue, elle est là. Hop, voilà. T'es toujours à poil. Les tenues de VIP sont pour les vrais hommes, c'est pour ça. Là, je le vois à poil. Ah bon, bah moi je vois pas à poil. Non plus. Peut-être que d'autres le verront à poil. S'il y a du travail dans le coin, sinon encore sur Vegas. Bonjour messieurs. Ah non, non. Malheureusement. Exactement, oui. Okay. Non, ça je demande, on sait jamais. On oh bah, à partir de demain, sans doute. Ouais. Ah oui, je vois. Oui. Du sel. Ezra, t'as sorti la tenue? Oui. Oui, la classe, Ezra, la classe. Bien, hein, super beau.
Ah oui, là c'est très joli. Hein. Qu'est-ce que tu fais, John? Ouais, nous on a pas ça à l'Altisalan. Il y a juste les petits coasters. Hein. Hein qu'est-ce que tu faisais? Regarde. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Une gourde de whisky. J'entends juste les gens se déplacer dans le set, mais c'est tout. Attends. Montrer la photo sur mon iPhone. Vas-y, balance. Fiche pépé? Lapin. Comment? JPP, est-ce que je suis droit là? Oui, t'es droit. Aïe. Oui. C'est bizarre, je me voyais de côté. Hein, quoi, tu vois pas les traces de roue quand tu bouges la tête? Les traces de roue deviennent rouges. Ah, voilà, je suis pas seul. Je t'ai envoyé la photo. Je sais pas ce que t'as fumé toi comme mec. Mais... tout seul. Traces de roue. What the fuck? Quelqu'un ouais. Voit la route rouge? Non, mais oui, je la vois. Ah, monsieur, je pense que vous devriez aller voir. Non, je la vois, la route, elle arrête pas de devenir rouge. Bizarre. J'ai... Vous avez caché quoi dans votre véhicule? Ah ouais, là vous avez pris des... La drogue. Ah ouais, du gros shit de sa mère, comme on dit, hein. Il y a un véhicule qui arrive. Il y a deux véhicules en face. Ouais, du 7 et puis... Viens, il y a une BM qui arrive à ta gauche. Ouais, elle est en face. Juste en côté. Ah, j'ai vu des BM là qui arrivent. Tu sais qu'il y a une personne dedans. Monsieur Castro, là, il est où? Je suis là. Ah, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ouais, bah c'est moi, ouais. Regardez, voilà. Eh oui, je me souviens. Voilà, ouais. Ouais, c'est pénible ces problèmes de coffre, alors. Hein. Ah, bah ça va être réglé à partir de demain, y'a pas de soucis, je voudrais racheter des nouveaux coffres, c'était réglé. Ah, ça c'est une bonne chose. Ça. Donc je vais refaire travailler à partir de demain, quoi. Simplement. Ah, oui, ça c'est une bonne chose, alors. Hein. Ça fait. C'est une très bonne chose, oui. À partir de. Je sais pas quand vous êtes team souvent, mais. Ah oui, demain, oui. Off. Demain, ouais, entre. Demain, j'ai un petit trou dans ma journée, oui. Entre 10h et 14h. Ah, c'est dans la journée. Mais j'aurai mes coffres à partir de 14h. J'aurai espacé des tempêtes. Bah, le soir, alors le soir, oui. Je vais faire des intérimaires l'après-midi, et puis une fois que mes coffres sont remplis, bah, je serai disponible. Je ferai un petit peu de simulateur pour m'entraîner encore plus et perfectionner mes compétences au maximum. Même si j'ai déjà fait beaucoup d'atterrissage à Molos, hein, j'ai très bien fait. Du coup, est-ce que les deux véhicules vous me planterez pas. Hein. Ah non, vous inquiétez pas. De toute façon, je vous indemniserai au pire. Hein. Ouais. Parce que, faut pas déconner quand même, là, les conneries. La petite challenge qui crache les avions, là, ça commence à bien faire là. Hein. Moi j'ai jamais fait personnellement, j'ai... Ouais bah dans 5 minutes... Attends, j'ai jamais volé, hein. Ah, pas de soucis. Comment oui, les drapeaux, ils ont été rajoutés. Ouais, ils ont été rajoutés. Ah oui, ils sont très jolis, hein. Ils ont tout beau, fait implanter tout à l'heure. Et c'est pour l'événement ou ils vont rester? Non, c'est pour l'événement. Bah, je les sors... les sors du stockage quand il faut. D'accord. Ah oui, d'accord. Okay. Magnifique, ces drapeaux, oui. Ouvert là. Dommage, pas équipé de d'armes de poing dans votre. Et par rapport au tarif, monsieur Austin, ça fonctionne comment du coup? Il me semble c'est en fait c'est pas vraiment un tarif comment dire. C'est pas un tarif que je fixe en fait au niveau de la Altisalan en général. Il me semble c'est quelque chose comme 100 000 le trajet aller-retour, oui. Pas pour ça. Voilà, après. Tout dépend après. Combien, enfin, combien de trajets j'ai à faire, quoi. Je veux dire, si j'ai pratiquement 1000 selles à traiter, ben, il faut, à mon avis, faire 2 ou 3 trajets, quoi. Ah non, 1000 selles, ouais. Ça ouais, fait 383 dans chaque avion, donc ça fait 600. C'est pratiquement 3 trajets, 4 trajets à peu près. Voilà, ouais. Ouais, après, je vais voir
Je vais revérifier les trajets, comment dire, les prix, les tarifs. Et de toute façon, moi, je vais verser 75% à la Disneyland parce que. Voilà quoi. Normalement, en fait, c'est 10 à 15%, mais bon, il faut bien qu'ils travaillent un petit peu, la Disneyland, pour réussir les projets, etc. Il faut bien qu'on travaille. Moi, ça m'aide pas mal, hein, parce que aller traiter du sel jusqu'au Molo, c'est bon. Il y a un peu 7 km à faire, donc c'est un peu. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas très pratique. Ouais. Non, pas très pratique. On paye des intérimaires pour ça, bof. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Je ne le veux pas, mais bon, pour l'instant, ça l'aide. Mais bon, de toute façon. Merde, j'ai un peu spammé le téléphone. Il y a plus de sel à tout le d'un coup, c'est moins cher. Et tout avec tout gagnant. Hein. C'est... Bon, les agents, vous pouvez venir et ramener les civils avec vous. Monsieur, on va s'approcher. Ah oui. On va commencer la soirée. D'accord. Monsieur. Monsieur, vous pouvez venir s'il vous plaît. Positionne-toi le long du poteau là. Ici. Mets-toi ici. Toi à côté de lui, Jean-Pierre. Vincent, mets-toi ici. Au milieu ? Ouais. Non. Arme en main, s'il vous plaît. On a lu le message, vous avez bien pris en note ? Oui. 5 secondes, c'est ça ? Oui. Et vous essayez de faire en même temps, c'est-à-dire. Jean-Pierre, c'est toi qui seras en charge, d'accord ? Tu vas te mettre en crier. Et tu feras, quand t'entends la cornemuse, il dira en joue. Et c'est toi qui donnera le feu, d'accord ? D'accord. Vous trois, venez ici. Moi j'ai pas vu ton message. Ouais, j'ai mis JVN. Il en manque un là. Non, non, peut-être. Eb. Et Seb, retire tes JVN. Il va avoir ses oreilles qui déconnent. Dès les muscles NPS. On est l'arme en main. Eb. Ouais, mais moi non, je peux pas le faire. Des gens PLS. Non, c'est pas que je suis pas en PLS, c'est que je suis affronté des deux minutes. Que c'était quoi? Ouais, pourquoi? Un souci de radio? Mais pour... tu peux partir tes jeans, c'est pas au plus propre. Bah attends, bien. Seb, il va prendre ta place, Calum, tu peux pas. Je t'explique. Ouais. Okay. En gros, quand la cornemuse va commencer, vous mettez le salut. Là. Quand la cornemuse va commencer, Jean-Pierre Castro il en criait, il dira en joue, feu, et il faudra tirer des salves quand il dit feu en fait, un coup en l'air. Ah, par contre, j'ai pas de. Tant pis, je pense en tout cette fois. Vous pouvez vous rapprocher un petit peu, monsieur, si vous le souhaitez. Écoutez, merci à tous d'être venus ce soir. Merci à tous d'être venus ce soir, donc on est là pour honorer la mémoire de M. Erdin Choren, qui nous a quittés vite, on va dire. Un citoyen du canton de Sofia, qui a eu un long parcours. Il a été gouverneur de l'île d'Altis, avant l'arrivée du LPA. Il a créé et fait pas mal de choses pour l'île, avec Altis Information et l'IPA. Et je pense que c'est quelqu'un qui va manquer à l'île et à ses citoyens. Si quelqu'un a quelque chose à dire à propos de Monsieur Choren avant qu'on procède à la minute de silence, vous pouvez vous avancer à ma place et puis je vais vous laisser parler. Personne ne souhaite prendre la parole ? Eh bien, bon. Alors, on va faire la minute de silence, messieurs.
joue. En espérant qu'il repose en paix là où il est. Merci à vous, messieurs. R.I.P. oui. Et allez. Et Fred Tristan. T'as battu un hélico là-bas. Ouais, c'est rien. T'es move, ouais, tu sais. En fait, il devait tirer et sans qu'on arrive à tirer. Je sais pas si tout le monde l'a vu, mais du coup, en tant que merde, Sophia, la place. Sophia s'appelle maintenant la place Erdin Shoren, en son honneur. Ah, oui, bonne idée, ça. Ouais. Sur la carte, maintenant. Ça va aller, mec. Non, la place n'avait jamais été indiquée sur la carte, mais il y aura une petite plaque qui va être affichée. M900 civil demande autorisation de décoller à l'aéroport international d'Altis. Pardon ? Quelqu'un a parlé ? Oui ? Vous disiez ? Il y a votre voix qui... Ouais. Oui, ça se coupe. Oui. On n'entend pas la fin. Combien d'années de bons ouais. et loyaux services ? Oh, il a passé de nombreuses années, vous savez, sur l'île. Il a quand même... Un des pères fondateurs, en fait. Ouais, il a... Ce monsieur a quand même été gouverneur. M900 civil demande autorisation de décollage à l'aéroport international d'Altis, s'il vous plaît. Il est mort de quoi ? Il a mis fin à ses jours, si vous voulez. Ah d'accord. Monsieur ah, oui, Sanka Virgono. Okay. J'ai vu un communiqué. Très bien, de oui, contrôle pour monsieur. Il y aura, on a fini de silence, mais il y aura également son enterrement qui va être organisé par l'Amérique. Voilà. Numéro 2. D'accord. Bon, voilà, voilà. Merci. Pardon. Il sera enterré à Kavala, en fait. Je sais pas encore, faut que je parle à monsieur Weiss. Mais c'est l'Amérique Kavala qui a récupéré sa dépouille. Où c'est ah, organisé l'enterrement. Il y aura un cortège funéraire. Donc, organisé. Ça va l'être déjà, oui. Ouais, je vais dire au revoir. Vincent. C'est Vincenzo. Bonne soirée, monsieur Castro et messieurs. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, oui. Bonne soirée, c'était une belle cérémonie. Ouais. Bah, allez, attendez.
aider à monter un hélicoptère. Je vais se déplacer, on va sortir l'avion, ce sera plus marrant. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bon, bah, je te suis. Bon. Vincent. Oui. C'était quoi le truc que je ne suis pas compris en fait. Moi, En fait, tu devais venir en jeu machin. Deux. En fait, c'est un tir. Ah ouais, pas ouais, mais moi je. Et toi, en fait, le paquet c'est tirer. En fait, fallait faire un jeu feu tout le temps. Un jeu feu tout le temps. Tout est censé. Ah ouais, c'était notre première. Bah, c'est un gros, mais bon, on s'en fout. Par contre, si tu veux les poissons, faudrait s'y mettre parce que moi je suis censé quitter l'île dans peu de temps. Ça peut sortir un bébé. Enfin, il y a déjà deux bébés là. Il y a déjà deux bébés. Bah, tout ce qu'il faut. On va demander à Ezra, peut-être. C'est bon, Ezra m'a dit oui par message. Donc on peut utiliser les bébés. Vous avez les clés ou pas, monsieur O'Neill? Jean-Pierre, les. J'en ai une. Je vais en passer une. Bah, du coup. Bah, j'ai pas la clé de l'autre bébé non plus, moi. Quelqu'un de là ou pas, là? Je vous donne les clés de l'entrepôt parce que j'ai un courrier et un document à faire dans l'urgence. Ok, pas de soucis. Bah, du coup, tu pourras m'aider, JPP? Quelqu'un avec les deux. Ah bah c'est bon, j'ai été dedans. Deuxième tempête. Bah tiens, j'ai plus bien. Oui, j'arrive. Ouais, attends, je vous donne un coup de main dès que j'ai fini mon truc. Ouais, pas de soucis, viens. Ouais. Pépé. Paul Austin demande autorisation de décoller sur la piste de Vegas avec un Robin DR400. Bon, autorisé, bon, on va l'avouer. Monsieur Neil, je prends toute la soupe. Enfin, mi-soupe. Oui, vous pouvez, oui. Oui, vous pouvez.
Qui c'est qui a follow? Uncle Parks, bienvenue à toi, merci d'avoir follow. Un final pour une approche sur la piste gauche de l'aéroport d'Azur. Merci. Enfin, c'est utile. Je me rends sur le taxiway pour le terminal. Ah, tu dis non s'il te plaît, mais en fait dans ta tête t'es en mode vas-y continue à chanter. Oh, il chante s'il te plaît, sans chant. Ouais, chaleur. Vous irez tous les deux du coup, parce que. Ouais, bah si monsieur il peut. Bah. Je peux y aller moi. Bah, de toute façon, il faudrait une protection en plus, hein, pas que juste de chauffeur, hein. Attention, et c'est... il habite à Sofia lui. Ouais. Je sais, ouais, j'irai, je monterai avec vous. Du coup, je dois payer le transport. Oh là là. On est vraiment des escrocs. Je peux pas payer. Hein. Je peux pas payer. Bah, déjà, pour conduire un Mac 9, ça a coûté 300 000. Alors. C'est de la soupe hein, que vous avez pris. Hein. Ah ouais. Oui, que de la soupe. Enfin, si ça vous dérange pas, bien sûr. Si on veut dire comme ça, ça évite les mélanges. Non, non, c'est bon. Ça, pour le traiter, c'est plus simple en fait. Mais chaleur. Je suis demain. Hein. Je vais pas. Hein? Je vais te chercher demain avec ça. Ouais. Je peux pas tard. Ce soir j'arrête. Ça me fait... Dès le matin, s'il te plaît. Le mec, c'est juste la logique, c'est de pas dès le matin. Le matin, et ça, ça te dérange pas. Donc le soir, ça te dérange pas. Faut pas mousquer le matin. Ah, je bah j'ai full. Sinon, je suis de mauvaise humeur. Voilà, c'est full. Attendez, je reviens ce que j'ai pris sur moi. Ah, par contre, j'ai pas la clé de ce bébé là. Hein. Attendez, je vous l'ai donné. Merci. Là, il y en a 500. Et là, 500. C'est nickel. Voilà. Attendez, je repose ce que j'ai sur moi. Est-ce que t'as sur toi Moi, j'en ai pas sûrement. Ok. T'as les clés ou pas j'ai Attends, je prends la bouffe. Attends.
je vais mettre mes JVN. Parce que là, ça s'est assombri. On est parti. Ah, on est parti, ouais. Oui. Monsieur Neil tout seul, donc ouais, bah viens. De toute façon, je vous suis. Hein. Attends, je prends mes JVN. C'est Jack. Je connais Jack. C'est ça ? Tout à fait. On va dire quoi là ? Du poisson. Attends, monsieur, attendez, il y a des véhicules. Bah là j'arrête pas de travailler donc j'ai pas le temps de voir s'il y a des choses qui se passent donc Et du boulot. Bah oui, je fais tourner mon entreprise. Là je vends du poisson là. L'entreprise ? C'est une poissonnerie. T'expliquer, nous on a la métal est possible. J'ai dû en parler plus à Jean-Pierre qu'à moi. Et toi, c'est pas toi qui as le cabinet d'avocat aussi? Si. Toi qui fais mon contrat de travail et qui me couvre judiciairement. La métalesse, ouais, c'est mon cabinet. Ouais. Alors, par contre, tout à l'heure, il y avait un homme armé dans Sofia. Ah, quand même. Au niveau de juste. Juste
lâcher quelque chose. Vincent. Hein? C'est Vincent. Ah, c'est vrai, ok. Je sais pas, j'ai un peu de poisson. Vincent, tu fais un coup de main pour décharger. Je pense que c'est moi, c'est un bébé, t'inquiète. Ça ira plus que tout seul. Bonsoir. Un véhicule en approche. Je suis en train de marrer. Ah non, fais gaffe. Et Jean-Jean, les gars. Ils sont passés vite fait. De toute façon, ils ont rien à me dire. On prie mon collègue. Mon collègue. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'avais pas vu un mec en costard courir. Non, désolé, j'ai juste vu deux gars en tenue de plongée. D'accord, je vous remercie, monsieur. De rien.
putain, ils sont des poulies. Par contre, pourquoi vous avez pris mon collègue? Mon collègue qui s'est fait arrêter. C'est bon, les gars? Il reste quasiment plein. Bonsoir. T'aurais un véhicule pour on est sans véhicule. Tu commences à revenir. T'es dans la merde. Bah, j'ai pas de véhicule là. Ah, ok. Zach. Oui. Évidemment, tu peux y aller. Bonjour monsieur. On cherche quelqu'un pour nous emmener au commissariat en fait. Ah, nous ça va être compliqué je crois. Les bébés ils vont. Vous avez pas de véhicule? Non, et puis on charge pas de civils dans des bébés. T'es feu JP. Attends, je recule. Tiens, Paul. Un job, top. De quoi? Tant pis. Je passe en premier. Hein? Ouais, vas-y. C'est Jean-Jean. Ouais, j'ai failli le prendre. Nicolas Lefort qui se rembête. Comment ils sont arrivés, à mon avis, c'est un truc. C'est Nicolas peut-être. Les HMAT n'ont pas été changés encore. Comment ça les HMAT? Ah, ils devaient être changés à l'époque. Non, ça n'a pas fonctionné.
comme avec un petit peu de demi et après des vacances sur une montagne. Gendarmerie à l'écoute. C'est la touche. Ouais. Je lui ai demandé si on pouvait avoir rendez-vous avec elle. Elle a fait non, elle avait pas le temps. Ah. Ah bah. Tu sais pas quoi. Et Mimi, donc elle avait Nyoka, c'est ça, monsieur Oni. Tout à fait. Voilà, pour vous. Je vous remercie. Merci, c'est moi. Ah, t'as vu l'entreprise qu'elle a aidé à monter avec les idées. Et vu qu'ils sont passés à faire du. Là, si, c'est finiqué. Ouais, c'est finiqué. Merci d'accorder, je vous remercie. Ah non, j'ai pipé. Oublie pas, c'était ma chaleur. Oh non, voilà. Ah, monsieur O'Neill, vous êtes passé tout nu. Ouais, c'est pas grave, j'allais prendre l'avion. D'accord, bah, d'accord. Bonne soirée, monsieur O'Neill. Bonne soirée à vous. Franchement. À demain, monsieur. Enfin, à demain, quoi. Tu fais qui part, quoi. Ouais. Allez, puis. Ouais. Ah non, il y en a d'autres, tu peux. Et c'est pas pareil. Allez, travaille. Là, du coup, t'as vu, il pouvait pas. Bah, tôt. Pour la charme. Bah, voilà. Moi, je suis disparu, enfin, voilà quoi. Bah, t'as vu, le mail. Ouais. Je lui ai dit que. Je pense qu'il y aura pas de soucis entre nos deux entreprises, vu que, comme je lui ai parlé la dernière fois. Enfin, on avait parlé pour un petit moment. On a fait bonne soirée, mon général. À demain. Bonne soirée, mon général. Pas de soucis. Bonne soirée à vous. Du coup, il m'a dit, on va signer papier et BRF avec lui. Quoi, je m'en sers avec les bras pour c'est quoi comme papier c'est... Ouais, je pense que ça va être pratique. Alors, merci à tous et à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous le dis à demain. Bye bye tout le monde. Voilà, c'est ça que la voix. À toute manière, dans l'ouest, il y a qui fait du charbon? Complète Omega, nous et la Vegas. Ouais. Et la Vegas,